police conteste. La veille, elle avait annoncé un objectif de zéro mort. Ce dimanche, le chef de la police est plus fataliste. Quand on rétablit l'ordre public, il y a toujours des casses. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Quand on rétablit, il y a toujours des problèmes. Parce qu'il y a une force qui s'oppose. Mais si on vient, on négocie. Et ceux qui sont en face acceptent le gouvernement, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de casses. La contestation semble s'étendre dans le pays. Les accrochages sont signalés à Kisangani, Bukavu, Goma, Lubumbashi. Chaque fois, les forces de sécurité sont intervenues pour réprimer les manifestations. Reste que, même sous pression, la mobilisation des catholiques ne faiblit pas. Nous sommes très confiants que ce pays va aller de l'avant un jour. Et nous sommes très confiants qu'il y aura des élections. Voilà pourquoi nous ne cessons de sortir avec l'appel du comité laïque pour montrer aux yeux au-dessus de tout le monde que nous voulons les élections. Et nous avons l'espérance en tant que chrétiens qu'un jour, et au mois de décembre, il y aura des élections. En 2019, nous aurons un nouveau président qui va diriger ce pays comme il faut. Proche de l'Église catholique, les organisateurs de ces marches réclament du président Kabila qu'il s'engage à ne pas se présenter aux élections de décembre prochain. Des élections déjà hors délai, son mandat s'achevait en principe en décembre 2016. Nous sommes là en face d'un régime qui n'a aucun respect pour la vie humaine. On peut changer de stratégie, on peut avoir d'autres types de manifestations. Il n'y a rien qui va exclure des morts si nous gardons le même système. Donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est qu'ensemble, au niveau de, pas seulement du Congo, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Occident, on réalise qu'on est là en face d'un régime dont on doit se débarrasser et avec lequel on ne doit pas continuer à négocier et à faire comme si les choses pouvaient aller jusqu'aux élections fin décembre 2018. Mais je ne sais pas jusqu'à combien de mois il faudra pour la communauté internationale réalise que ce qui se passe ici est un drame. La correspondance à Kinshasa de Thomas Nicolas. Les fidèles voulaient débuter leur marche pacifique après la messe, comme cela a été prévu. Seulement voilà, la police et l'armée étaient positionnées à la sortie de plusieurs villes de Kinshasa et ils ont empêché toute tentative de manifestation avec des gaz lacrymogènes, avec des balles en caoutchouc, mais aussi visiblement avec des balles réelles. Dans certains cas, nous avons pu nous rendre à l'hôpital de Saint-Joseph. Nous avons constaté deux blessés, mais également un mort. Et le chirurgien sur place, l'un des chirurgiens, était formel. Le jeune homme qui a été tué a été touché par une balle. Donc, cela alors que samedi, le chef de la police a affiché un objectif de zéro mort. Soyons fermes, mais courtois, il avait dit. Et aujourd'hui, le porte-parole de la police continue d'affirmer que aucune balle réelle n'a été utilisée, seulement gaz lacrymogène et balles en caoutchouc. Et même un mort, un bilan que la police conteste. La veille, elle avait annoncé un objectif de zéro mort. Ce dimanche, le chef de la police est plus fataliste. Quand on rétablit l'ordre public, il y a toujours des casses. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Quand on rétablit, il y a toujours des problèmes. Parce qu'il y a une force qui s'oppose. Mais si on vient, on négocie. Et ceux qui sont en face acceptent le gouvernement, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de casses. La contestation semble s'étendre dans le pays. Les accrochages sont signalés à Kisangani, Bukavu, Goma, Lubumbashi. Chaque fois, les forces de sécurité sont intervenues pour réprimer les manifestations. Reste que, même sous pression, la mobilisation des catholiques ne faiblit pas. Nous sommes très confiants que ce pays va aller de l'avant un jour. Et nous sommes très confiants qu'il y aura des élections. Voilà pourquoi nous ne cessons de sortir avec l'appel du comité laïque pour montrer aux yeux au-dessus de tout le monde que nous voulons les élections. Et nous avons l'espérance en tant que chrétiens qu'un jour, et au mois de décembre, il y aura des élections. En 2019, nous aurons un nouveau président qui va diriger ce pays comme il faut. Proche de l'Église catholique, les organisateurs de ces marches réclament du président Kabila qu'il s'engage à ne pas se présenter aux élections de décembre prochain. Des élections déjà hors délai, son mandat s'achevait en principe en décembre 2016.